Lâche-le, Fabrice. Il est en train de déchirer mon uniforme. Plus tu bouges, plus tu l'excites. Surtout, ne fais pas de mouvements brusques. Allez, Rintintin. Allez, Rintintin, lâche la saucisse à Fabrice. Allez, viens. Elle est remplie de microbes. Et viens par ici. C'est dingue. Vas-y, Fabrice, profite-en pour courir. Vas-y, balance la bouffe dans le camping-car. Et hop. Mission accomplie. Terminé. Je vais descendre. Et ça va moins bien rigoler. Je vais me faire un uniforme avec sa peau. Non, ne tue pas Rintintin. C'est la mascotte de l'association. C'est la vache, la mascotte. C'est pas grave, ça fera deux. On n'est pas Rintintin et compagnie ici. Je vais pas critiquer les aventures de Rintintin étant donné que je n'ai jamais regardé cette daube. Attention à ce que tu dis, Fabrice. Les aventures de Rintintin, c'est pas de la daube. C'est un chef-d'œuvre. C'est pas un berger allemand. Il ressemble quand même beaucoup à Rintintin. Il se ressemble comme deux gouttes d'eau. Un berger allemand, c'est pas gris, c'est marron. Déjà, il est pas gris, il est juste un petit peu gris. De toute façon, à l'époque, on avait la télé en noir et blanc. Alors, comment tu sais de quelle couleur ils étaient, monsieur? Je sais tout. Et toc! Non, mais sérieux, vous l'avez trouvé où? Par hasard, dans la forêt. Pas un chien, c'est un loup. Alors là, je t'arrête tout de suite, Fabrice, c'est pas obligatoire. Obligatoirement un loup. Ça peut être aussi un bébé chien. Reviens ici! Reviens, touche pas ça! Allez! Gentil, Rintintin, gentil. Je suis vraiment sûr qu'il est là-bas en train de comploter contre moi. Oh, heureusement qu'il ne s'est pas fait. Vite, Rintintin, s'il t'attrape, il va te manger. Au secours! Te retourne pas. Attends, avant de me tuer, j'ai quelque chose à te montrer. Avant que tu ne me montres quoi que ce soit, je te préviens, je ne suis pas de la jaquette. Cette petite promenade, c'était calme et reposant. Ouais. La prochaine fois, on ira faire un tour au saloon. On verra. Freeman! Vous voulez faire une bataille? Allez, je suis sûr qu'il y a moyen de se faire une petite bataille rapidos à l'extérieur du fort de préférence. On vient déjà d'en faire beaucoup, et Elvis préfère éviter de trop les enchaîner. Sinon, ça peut devenir obsessionnel après. Ça parle encore de bataille quand on n'est pas là? T'inquiète pas, Elvis. C'est dommage que nos premières batailles se soient mal passées. Dommage. Oui, on pourra peut-être essayer en fin de semaine. Moi, je suis sûr qu'on pourra faire une tout de suite. Je suis pas très en forme pour en faire une, là. Mais mon revolver, lui, est toujours prêt pour une bataille. Pan ! Pan ! Et puis, c'est bien que Jacques a arrêté de charger son revolver. Je me sens plus en sécurité de ce côté-là. Le revolver que t'as dans la main est chargé à... Je m'en rappelle plus.
Tu mourras pas. Je le redonnerai à ton frère tout à l'heure. Attendez, vous pouvez pas aller par là, il y a une grosse bête féroce, genre un ours. À toute, Dixon, j'ai un truc à faire. Il est rapide. Heureusement qu'il a pas touché à notre canon. En plus. Ne me raconte pas d'histoire. Ce n'est pas possible qu'il soit juste resté caché dans votre camping-car depuis tout ce temps. Vous serez surpris de voir tout ce qu'on arrive à cacher dans le camping-car. Et tout le monde répète à qui veut l'entendre qu'il a définitivement disparu. Ils sont en train de revenir, vous savez. C'est une espèce en voie de réapparition. C'est l'époque qui veut ça. Parbleu, mais vous comptez le faire survivre en combien de temps? Toujours. Au moins, si quelqu'un meurt à cause de vos bêtises, on pourra toujours le cacher à l'intérieur du camping-car. C'est un putain de train, mon colonel. Bougez pas d'ici, on revient. Vite, Ratatin. Vous ne m'échapperez pas. Je suis juste derrière toi, attention. J'arrive pas à monter, Ratatin. J'arrive pas à monter. Oui. Ouf. C'est pas en montant sur le camping-car qui va m'empêcher d'assassiner ton chien. Attention, j'arrive. Je suis là. Et merde. Youhou, Ratatin. Non, touche pas à mon tricorne. Tu sais combien ça coûte? Non. Tu vas kiffer grave en voyant ce que je t'ai apporté. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une chambre mortuaire? C'est un meuble du 18e siècle avant Jésus-Christ, en marbre, que j'ai trouvé. Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Je suis quasiment certain que ce ne soit pas du marbre et que cela ne date pas d'avant Jésus-Christ. Ça a vraiment été fabriqué par des Chinois? Eh oui, les Chinois dominaient déjà ce monde à cette époque. Il y a même des historiens qui disent que Jésus-Christ était chinois, en fait. Et ta bêtise, elle est chinoise aussi, blondin? La vérité, c'est que c'est moi qui a écrit ça avec Pierre, comme ça, personne... Tu peux la garder, tu m'excuseras. Je ne désire pas m'accaparer toute ta camelote. De toute façon, nous ne pouvons plus rien faire, ni dire, sans l'avis de certaines personnes, que je ne désignerai pas. Au secours! Help me! Secours! Secours! Venez m'aider, au secours! Au secours! Venez m'aider! À l'aide! Ah! Tire en l'air pour que le goulou dégage! Je vais t'attraper, sale bête! Allez, viens m'aider, on va te le louer! Pierre! C'est le loup qui a tué son propre maître. On ne quittera jamais ce soir en vie. Pierre est tombé du ciel après mon coup de feu. Pas de panique. De toute façon, ce sont des revolvers à blanc. C'est le revolver de Jacques. Mais ils savent même pas avec quoi ils chargent, si c'est du plomb, de la semoule, du PQ ou du Babybel. Mais il a pris une balle ou quoi? Mais j'en sais rien, moi, dans tous les cas, là, je suis de la tuer. Il a fait un plat en tombant du camping-car. Ça pardonne pas. Et s'il s'était pris une balle, il devrait être en train de... Il a pas pris de balle. Mais personne réagit! On est que deux à réagir sur 13! Mais ça fait 4 jours que ça tire dans tous les sens et tout le monde crie! T'as raison, il est temps que quelqu'un prenne les choses en main. Si vous la prenez pas, on va la garder. Ça peut être pratique pour se laver le matin. Par pitié, débarrassez-nous-en. Dixon, t'as confiance en moi? Super! Hé, on dirait que Pierre est vraiment mort! Pas besoin de se croquer son gros orteil pour vérifier! Suis-moi, Dixon! Aide-moi à le porter! Il va bien falloir qu'on aille l'enterrer! J'ai déjà un miroir dans mes quartiers, tu vois. À la rigueur, avec une bonne hache, on pourrait peut-être réussir à en faire du petit bois. Non, je t'assure que ce meuble sera d'une grande utilité. Écoute, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau. C'est René! Le problème avec ton miroir, tu vois, c'est qu'il est pas réfléchissant. Moi, j'arrive à voir sans problème. Arrête avec tes buteveusées! Dixon pourrait m'attaquer dans le dos, j'y verrai rien. Personne n'attaque par derrière à part toi. Hey, salut mon colonel. Alors, ça biche? Pourquoi vous avez mis ma couverture par terre? Youa, quel beau meuble! Trop joli! Mais il est immense! J'espère que vous avez prévu des chaussures de sécurité pour le transporter. Les chaussures de sécurité, ça ne fait pas d'époque. De toute façon, si Blondin a réussi à l'amener ici, il devrait pouvoir se débrouiller pour l'emmener ailleurs. Je vais retourner faire bronzette tranquillement maintenant. Vous t'habillez? Le bronzage de l'agriculteur. Tu comprendras quand tu sauras ce que c'est de bosser. Oh Dieu! Mais qu'est-ce que t'as fichu, Boone? Mais tu serais pas complètement nonneux!
Ah ! Reviens ici ! Que quelqu'un vienne m'aider ! Peut-être en tirant un peu dessus. Hé, viens m'aider s'il te plaît. Désolé, moi je suis un traître. Sale traître! Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, ils sont vraiment super ces bouchons d'oreilles artisanaux. On peut vraiment tout faire avec les pêches en boîte et un peu d'huile de coude. J'ai besoin d'aide! Petit oiseau canaille, tu tombes bien. Je fais des rêves très bizarres ces derniers temps. Cette nuit, j'ai rêvé que du sang apache coulait dans mes veines. Ça m'amène à penser que ce n'était pas un rêve, mais une vision chamanique. S'il te plaît! J'ai besoin de plus de oiseaux. Qu'est-ce que vous cachez là-dessous? Vous devinerez jamais ce que le traître a fait. Freeman a poussé un gros meuble avec son biceps et blam, en plein sur les pieds du colonel. Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Un gros meuble est tombé sur les pieds de René! Pas de panique, Freeman ira le sortir d'ici 5 minutes. Laissons-le se relier au vide véritable pour le moment. Ah! Est-ce que quelqu'un a vu Pierre? On revient d'une balade et on a vu personne. Oui, personne. Comme vous pouvez le voir, nos deux histoires concordent. Alors, pas la peine de nous poser d'autres questions. T'as pensé à regarder sous le camping-car? Pierre aime bien s'y cacher. Je suis sûr que le sergent Warren est dans le coin. Ah, elle est vachement lourde, cette poutre. T'en penses quoi, Yannick? Et si on appelait Pierre tous ensemble? On aimerait passer quand même. Elle croque mort, dégage de derrière moi. Je me mets derrière qui je veux. Derrière qui je veux. Mais où est-ce que vous êtes tous? Léon a raison. On va appeler Pierre pour qu'il vienne nous aider à aider René. Allez, tous en cœur. Pierre, c'est une blague. On a eu la chute en tout cas. Très bon trait d'humour, Yannick. Casse-toi le tête. Je vais te planter. Lâche-le. Non. 400 boules de perdu. Oh, regarde. Un os géant de Triceratops. Allez, va chercher. Ah! J'aime quand ça pétille. Et une fricassée de phalange dans ta tronche, ça tirait, Léon? Je me tais. Et la flamme de la mairie. Je me tais. Ouais. Formation de l'armée. Arrêtez, c'est Rintintin. C'est un gentil loup. Vous inquiétez pas, les loups n'attaquent pas les hommes en général. On lui donne des calmants de toute façon, alors aucun risque. En espérant qu'ils ne deviennent pas dépendants. Ah, je vais te rapporter au camping-car pour te renifler. Tout le monde avec l'odeur de Pierre pour pouvoir ensuite le retrouver. Et c'est comme ça que nous autres attrapons un crotal à main nue. Oh, ratable cette technique! Qu'est-ce qu'ils font, les couillons? Eh, hey, mais c'est ma barquette! Je valide, c'est bien ta barque. Quelqu'un va crever, cousin Johnny! Mon œil! Couillonnerie! Mon œil! Vous attendez la cinglinglin pour me sortir de là? Mais qu'est-ce qu'il fait donc? Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa torche? Il va foutre le feu! Ramasse-moi ça! Vous êtes une sacrée bande de keks! Soulevez-moi ça avant que je m'énerve!
3, 2... Aïe ! Vas-y, Pascaline ! C'est bon, on lâche. Cassez-vous. Qu'est-ce que vous faites avec Pierre ? Ben, je sais pas trop. J'ai suivi Fabrice. Et yes ! Un pelouse de moins dans l'association. Mais c'est vrai ça, pourquoi on a fait ça ? Si on veut sauver l'association, faut faire du tri. Désolé Caroline, je commence par Pierre. J'aurais commencé par lui aussi. J'aurais commencé par René. J'aurais commencé par les deux électrons libres. Mais je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité. Eh Fabrice, c'est pas en le mettant dans une barque que tu vas t'en débarrasser. Hein. Si je peux être tranquille 2 heures, je serai le plus heureux des hommes. Coucou. Ah, je fais trop bien le mort, vous m'avez cru ? On savait que t'étais pas mort. Ah d'accord, autant pour moi. Va-t'en, on veut pas de toi. Eh hey Pierre, prends ton temps pour venir. 1 heure ou 2. Youpi tralala. C'est pas la mer qui prend la mer. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tadadam. Moi la mer m'a pris, et mon bateau aussi. Fier mon navire, il est beau mon navire. C'est un beau trois-mâts, fin comme un oiseau, il sait haut. Mais Tabarly, pas jour, car ce sont les rigidelles. Navigue pas sur des cajots, ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès quand les vents tourneront, nous nous en allons. Tarakin, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, comment on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents, foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon nom. Dès que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents souffleront, je m'en allons. De latin.